Aujourd'hui, en premier, je vais vous montrer. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Oh, mais j'ai des lunettes de soleil parce que j'étais à la plage en vacances. Alors, prochaine. La scène a agrandi. Aujourd'hui, la scène a agrandi parce qu'il a plu beaucoup. Et le petit chemin pour aller à la scène a complètement disparu et c'est devenu une autre scène, mais qui s'est collée et est devenue encore plus grande comme scène. So, because of the flood, we have to Après, ça sera Odette et moi qui va parler. Mais d'abord, on va le dire. Il y a mon père qui s'est rasé et qui avait une moustache là, voilà. Là, voilà, ça veut dire quoi? Une moustache là. Prochaine chose. Ah bah non. Ah non, c'est pas ça sur le news, c'est un autre. Sur le sport. Alors, en premier, on va parler sur le. Elle dit plus rien là, encore une fois. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe? Réveille-toi. Who says parenthood is not a sport? I don't need to pay the gym. You are. Sur le sport, sur le sport, sur le sport. On va parler d'abord du foot. Pa 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 et but. Ça
les règles. Le foot, c'est du sport. Regardez. Il a un ballon. Il a un ballon ici. Et on doit faire comme ça. Regardez. On doit lancer la balle. Il faut mettre dans le but. Il a quelqu'un dans le but. Et il ne doit pas que la balle elle passe dans le but. Donc chacun ses ballons. Hein? Alors, record du sport. Le record du monde lancé de savonnette mouillée. La réponse. Je vais juste te dire le pays. Oui, oui. En Australie. Un Australien. Un surfeur avec une vague de 12 mètres. Il a survécu. Quel âge a la plus âgée des marathoniennes? A, 75 ans, B, 83 ans, C, 92 ans. C'est pas quelque chose à payer, je vais te dire comme ça, mais juste disais sur les commentaires si vous le savez, si vous savez la réponse. N'hésitez pas. N'hésitez pas du tout. Et si vous le savez pas, demandez à nous. Et si vous aimez bien cette vidéo, faites un... Bon, on va passer. C'est sûr, on a déjà fait. Maintenant, c'est Louane. Tout le monde connaît Louane, la plus jeune. Louane. C'est pas ça la chanson. Louane, c'est. Attends. De quelqu'un qu'elle manque. Quelqu'un, il manque. Et elle manque tout le temps. Elle pleure dans sa tête. C'est ça? Mais tu dis n'importe quoi, Odette. Tu dis n'importe quoi, je rigole. En plus, Louane, c'est la plus jeune chanteuse de la France. Je sais pas s'il y en a des plus petites. Mais non, on en a. Pareil. Et Louane, je vais vous dire une chanson. Si t'étais là, je pourrais la chanter devant vous. Et je vais le faire. Jusqu'à la fin. Parfois je pense à toi dans les voitures. Le pire c'est les voyages, c'est d'aventure. Une chanson fait revivre un souvenir. Les questions sans réponse, ça c'est le pire. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais, toi, si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'étais là? Je me racontais des histoires pour m'endormir. Pour endormir ma peine et pour sourire. J'ai des conversations inimaginaires avec des gens qui ne sont pas sur terre. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais, toi, si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'étais là? Je m'en fous si on a peur que tu n'aies pas le coup. Je sais que tu n'es pas loin d'ici, même si c'est fou.
Les fous s'éveillent pour faire fondre les armures, pour faire pleurer les gens dans les voitures. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu l'auras? Qu'est-ce que tu diras? Bref. C'est terminé. J'espère qu'il y aura un pouce bleu, plusieurs. Et j'espère qu'il n'y aura pas de pouce en bas. Parce que les pouces en bas, ça rend les gens fous. Et ça les rend tristes. Subscribe!